Hey, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo d'un gameplay complet du nouveau secret qui est sorti sur Outbreak, donc la partie 2. Ce second secret est sorti aujourd'hui, ce soir même. On l'a trouvé en 1h10 en duo, en compagnie de Slayer. Donc un grand merci à lui pour son aide. Ça a été très rapide, on a trouvé facilement la première étape et les autres étapes ont enchaîné. Il est très court aussi, ça se passe sur deux maps, en commençant sur la nouvelle map Zoo. Et les étapes sont simples et... La fin est simple aussi. Je suis en train de vous monter le tuto du secret qui sortira dans quelques heures. Et voilà, si tu veux pas louper le tuto, n'hésite pas à t'abonner et active la cloche de notification. Allez, bon visionnage. Ouais. Il y a un bruit. Oh, j'ai trouvé. C'était pas là ce matin, il y a un portail mec. Ah ouais? Ouais. Je te l'avais dit, c'était un portail, c'est sûr. Pas un truc souterrain. Obligé, ça commence là. Ah, mais oui, j'ai un autre truc. Ah, je l'ai même du même côté. Oui, bah oui, c'est le même. Rentre dedans. Vas-y. Revnov, nickel, c'est ça. Let's go, la première étape les gars. Oh putain. C'est quoi ça? Il y a une feuille orange, faut la prendre. Vas-y, traverse. Non, oh, y'a plus moi. Je t'ai dit quoi dans les DM tout à l'heure? Attends. Ça défaille. Ça t'a envoyé où mec? J'en sais rien. Moi elle a disparu. Dans un chargement. Putain. Ah je te vois. Vas-y, traverse la faille, enchaîne-les. Il doit y avoir un temps, moi, ça s'est retiré sous mes pieds. Ouais, parce qu'en fait, quand je prends une faille, il y a quelqu'un qui me parle, enfin, il y a Ravneuf qui me parle. Ouais. On n'a pas le temps à perdre, il faut se dépêcher. Vas-y, enchaînez. C'est ce que je fais, j'enchaîne. Ah, le chargement, il enchaîne aussi, mais... Putain, il n'y a plus la faille, je peux plus la prendre, moi. Oh, il y a un chrono. J'entends un chrono. Ah, c'est normal, c'est le chrono du défi. Ah oui, merde. Putain, j'ai vu. Mais là, il me dit plus rien pour l'instant. Je sais pas, t'es en train de faire le tour de la map. Ouais. Pour l'instant, je les enchaîne. Ah, c'est bon, j'ai plus. Ah, c'est bon, ça a envoyé un truc. Là. Ici. Dans le champ. J'arrive. Attends, je crois avoir trouvé autre chose là aussi. Ah, c'est une pièce. J'ai mis un point. Attends, j'arrive. La prends pas. Ah, bah oui, bah c'est le même truc que l'autre fois. Dispositif microfilm. De la balle. Ah, ok. La balise. Ah, oui. Ok, nickel, on va pouvoir l'entendre. Je te le ping. Let's go, on a déjà trouvé la première étape. Aïe, aïe, aïe. On est trop balèze, les gars. Tu veux ça dans le sang? Non, je te jure. Ah, oh, j'espère qu'il va encore avoir un boss fight et tout, un truc cool. Ah, peut-être qu'à la fin on va voir la map, la nouvelle map en teaser, je sais pas quoi. Dispositif des coups de risque, ok nickel. Vas-y, on va le mettre. Ah putain, faut l'escorter. Ah ouais. Ah là là. Donc la première étape se passe là-dessus, mais après on va changer de map. Hein. Ouais. Il doit y avoir un ordre de map après, je pense. Mange trop encore, hein. Je sais pas si c'est vraiment sûr, mais... C'est sûr. J'en suis sûr et certain. Bien vu, Lenny. Oh putain, comment le PC il lag. Étape. Secret Outbreak. J'arrive. Malone, n'oublie pas ton renseignement. Ouais, je sais, je vais le chercher après. Fais gaffe, t'as changé de scène. Oh, mais what? Ah ouais. J'ai même pas changé. Ok.
Bien vu, merci. J'ai même pas touché à Mucen. J'étais sur Twitch. Allez, Monto, là. Ça fait. C'est du sucré. Ce matin, j'ai fait 3h30 pour perdre 6 niveaux, ça m'a saoulé. Ah oui, bah j'en ai perdu 11. Je viens d'en perdre 11, mais j'en avais perdu déjà ce matin aussi. C'est comme à chaque début de saison. Ouais, à chaque fois c'est le même problème qui revient de toute façon. Ah oui, attends. Je crois que c'est fait exprès, j'ai l'impression. Là j'avais entendu un bruit tout à l'heure. Mais en vrai, tu sais, Linus, honnêtement, même un titre putaclic qui en soit vrai, mais qui attire l'œil, tu vois, c'est pas faux, enfin, c'est pas un faux titre, c'est. Qui attire l'œil plutôt, ça changera rien parce que, genre, juste y'a personne, tu vois. Y'a juste personne, gros. Ouais, c'est sûr, on essaye, ouais. Oh merde, merde. Non, c'est bon. Donc, si c'est. Ça fait un sacré bruit maintenant. On fait des tests. Message au-dessus. Mince, j'ai pas vu à temps. Il est où le truc des renseignements? Là. Cherchez vite mon renseignement. Pas ouais, là. Ah oui, t'as fait le défi, toi. Ouais. Bruit parasite inactif. Ah, ça, c'est le truc de radio. C'est le truc de la radio. Ouais. Bon, moi, je l'avais pas eu ici. Mais il y a plusieurs emplacements, ça, de toute façon. Mais. C'est le truc de base, ça. Hein. C'est pas pour le secret. Ouais, tu vois, c'est ce que je disais. J'ai entendu ça tout à l'heure. Et il y avait pas avant. Viens, on regarde vite fait d'où ça vient quand même. Il y avait pas tout à l'heure. C'est quand on a lancé. Quand t'étais dans les failles que ce bruit s'est mis. Le problème c'est que. Il y a trop de zombies, j'entends que dalle. J'ai l'impression que ça vient de là. Non, mais y'a rien en fait. Ouais, c'est juste un bruit en fait. Ouais. Bon bref. Ah, moi aussi, j'entends. Vas-y go continue. Ça donne rien. Ça, t'es des caniches. Hop, épique. Hein. Moi aussi. Merde. Ok, on peut écouter. Sanatorium. Ok, ça part. Bon, là, ça va nous TP dessus direct, c'est sûr. On l'a eu juste avant. Ouais, mais. Une fois que tu lances, normalement, ça te met le secret dans l'ordre, tu sais. Il va dans l'ordre. Ouais, j'espère. Ok. Sinon, voilà, Sanatorium. C'est sûr.
On se retrouve au secret à la manche 40. Non, non, mais t'inquiète. Bah, ça commence toujours pareil, manche 3, et puis voilà. Bon, sanatorium, il faut chercher, les gars. On est sûrement dans les premiers, là. J'imagine. C'est même sûr. Info sûre, je viens de regarder Noah. Noah n'a même pas trouvé la première étape. Ok, faut qu'on trouve. Un truc sur sonateur. Attends, c'est quoi? C'est Revenov qui nous parlait, hein. Ouais, Il va nous dire quoi faire, donc faut le trouver. Il faut le trouver. oui, où est-ce qu'on peut le trouver à Sanitarium? Un endroit important. Pas le milieu ou après? Ouais, je pense par là, en bas ou quoi. Je vois bien le milieu, sous le sanatorium. On s'entend, mais il va nous le dire. Là. Je venais moi ici. Ah, peut-être sur la minimap. Je sais pas. Non, je vois rien sur le milieu. Non. Ok, go. Si vous avez des idées, les gars, n'hésitez pas à le dire. Hein. Je peux aller voir Ah! au milieu. Nouvel objectif, Operadja. Issei Shenya, je sais pas quoi. Faut trouver des scientifiques maintenant. Alors choume. Mais faut faire l'objectif principal. Regarde, il n'y a pas d'objectif principal sur la map. Ah non. Et y avait écrit Operadja Immersia, je sais pas quoi. Ah bah tiens, c'est peut-être ça, ce qui tombe du ciel là. Ah non, c'est une caisse, putain. Non, c'est le défi. Bah moi je vois bien le crash à côté de la mer ou une connerie comme ça. Ah de l'étendue d'eau quoi. Sur la petite île ou. Peut-être ouais. Allez, ça a capé là. Il y a un renseignement. Ouais. De toute façon, ça peut pas être au milieu, je pense. Attends, je regarde vite fait en bas là, au milieu. Oh, il y a du monde là. Accidenté. Bah, tu sais quoi? Tyrolienne, on va faire son parachute. Ça va être encore pire, puis tu peux trouver un hélicoptère. Ah, mais putain, c'est écrit, j'ai même pas vu, mec. Trouver l'hélicoptère accidenté. Ah, je vais monter. Tout putain, en haut. Il nous donne l'info, quoi. Tac, tac. De toute façon, il nous l'a dit aussi en contact, hein, trouver scientifique. Ouais. Alors, un hélicoptère. Mais attends, je mais vois pas, c'est là, il y a une fumée là. Droit devant moi. Il y a une fumée noire. Ah, bah oui. Merde, je suis tombé, non. Ça doit être ça, les scientifiques à protéger ou je sais pas quoi. What? Il va peut-être y avoir une vague de zombies. C'est vrai que j'avais pas pensé à crash, fumée, ouais. C'est vrai que c'est pas grave. Ouais, bah ouais. Ouais, bah ouais, ça spawn. Prends-le, t'as pas d'arme longue distance. Ça doit être eux. Je prends avant de me faire attaquer. Ok, ça doit être eux. La zone du crash, en espérant qu'ils soient sortis. Ouais, c'est trop bon, Joe. Putain. Yoff. Spawn sévère là. Oh, attention, ouais. C'était sûr qu'il allait y avoir un spawn de zombies. Je vais rien faire, mec. Ouais, on peut pas le prendre. Non. Je pense qu'il faut survivre à la vague. Peut-être. Lire. Ah ouais, hein? C'est bon. Vas-y. Ah ouais. Allô? Scheiße. Ravnov, c'est le docteur Hugo Jäger. J'espère que vous ou Requiem trouverez cet enregistrement. On a presque survécu au crash.
on se rend sur l'île au monument pour tenter d'échapper à Omega. Ya, je sais, c'est de l'autre côté de la phase. Mais les scientifiques qui m'accompagnent ont créé un dispositif qui nous permettra de traverser la phase sans mourir. Ou pire, ils n'ont qu'un prototype, mais ils en assemblent un autre avec des pièces détachées pour que vous puissiez nous suivre. Malheureusement, il nous manque un composant, un orbe éthéré. Trouvez-en un et amenez-le au pont. Là-bas, un véhicule de reconnaissance légèrement modifié vous attendra. Dépêchez-vous. Okay. Omega a abattu notre hélico et ils voudront finir le travail. Docteur Jaeger, je me souviens, si tu craches. C'était quelqu'un de complaisant, mais je lui fais confiance. Et le dispositif dont il parle pourrait grandement intéresser Requiem. Faut qu'on trouve un orbe. Requiem voudra récupérer ce dispositif et les scientifiques qui l'ont créé. Alors, l'orbe, il est où ? Bah, au crash, au site du crash. Regardez un peu partout. Finalement, le premium de Wizbot a été abandonné ? Non, pourquoi ? J'entends des voix là, mec. Hein. Pour moi, c'est... si, j'entends des voix. Ah, ok. Une orbe. Cold War 13000 spec. Vas-y, je vais à droite. Je crois que c'est là, viens. Il y a un portail. C'est pour se TP, ça. Coucou tout le monde, ça va? C'est le truc qui remet au milieu de la map ou quoi? Allez. Coucou Kylian, merci pour ton resub. Merci pour ton 6ème mois, comment tu vas? La forme et toi? Badge bleu, ça y est. Ouais, ça remet au milieu de la map. Un orbe au site du crash, t'es sûr que c'est au site du crash? Bah je sais pas, il a dit fouiller au site du crash. Ouais. Assembler le véhicule modifié. Il y a écrit. Ça, c'est au pont. Bah viens, on fait ça. Bah oui, mais il faut trouver l'orbe, c'est la dernière pièce manquante. Je sais pas, y'a pas d'orbe. C'est moi qui ai les paires de sauts. Non, c'est moi. Ça vient de moi, les gars. Beaucoup de problèmes depuis que j'ai changé de place le PC. Je sais pas, on entend des voix de partout. Coucou, Geno. Le premium de Wizbot a pas été abandonné, les gars. C'est juste qu'on a remis Wizbot normal comme j'avais dit depuis X temps. Parce qu'avec son nom modifié, je sais pas, il y a plein de commandes qui ne fonctionnaient pas. Mais c'est pas grave, ça c'est rien. Le premium c'est pas que pour changer son nom. C'est pour avoir accès à toutes les commandes, toutes les fonctionnalités. Le reste c'est toujours là. Ah mais en fait on entend des voix de partout. Ah hein. Oh, ouais. Énorme, merde, ils sont jaunes dans la nuit. Mon frère, ça se fait de la gueule. Attends, je vais les voir plus loin, moi. Ils sont louches. C'est chiant parce qu'il avait donné beaucoup d'infos et puis ça a pas mal coupé, moi, le son. J'ai pas tout entendu. Bon appétit, Kylian. On regarde pour le singe blanc. Non mais ça c'est rien, le singe blanc c'est c'était l'autre secret, les gars. Ça a rien à voir. On peut toujours essayer hein, mais bon je pense pas que ça soit la même chose.
Il y a rien ici. Oh, je trouve rien. Voilà le véhicule. Ah si. Ouais, il y a le véhicule. Il n'y a plus qu'à trouver l'orbe. Ouais. Ouais, en gros, faut mettre l'orbe dans le véhicule, je pense. Bah oui, c'est la dernière pièce. Putain, elle est où cette orbe? C'est genre une orbe, normalement, c'est comme ça monte top. Ah, une orbe quoi. Ordo, putain, j'ai eu peur. Ah, c'est bon. C'est pas ce qu'on. Putain, c'est dingue cette histoire. Et le site, tu craches. J'essaie d'aller en hauteur, voir si je la vois. J'ai collé l'hélico, j'ai fait tout le tour, il n'y a rien. J'ai essayé de tirer sur les soldats. Non, non. J'ai un renseignement si jamais. Une idée le chat? C'est une idée comme une autre, je le verrai bien là. Où ça? Où est-ce que tu le verrais? C'est lui qui fait ce bruit? Ah oui. Et après pour eux le site du crash c'est quoi? C'est vraiment à proximité ou genre vraiment comme des alentours? Je sais pas, bon moi j'ai regardé aux alentours, j'ai pas trouvé hein. Parce que si tu te crashes avec une pièce, forcément elle est pas dans une maison. Alors le truc elle a pas atterri dans la maison par l'opération du Saint-Esprit. Après, peut-être qu'ils disent si du crash, genre la map du crash, tu vois. Je sais pas. Demain pour la Belgique, je suis riche. Ah oui, c'est Belgique contre... Je sais plus qui. Les Danois. Ah oui. Ouais, va me rendre fou cette pièce là, putain, on bloque ouais. Sur ça quoi. Moi je regarde au niveau des maisons, mais y'a rien là. Bon, c'est encore un petit secret sinon. Hein. Récompense. Ah merde, oui. Par contre, si elle est dans une maison, je me coupe une couille. Pas. En fait, Molo, l'Ukraine a gagné. T'as 10%. Ah ouais? Eh ben, GG. Hein. Bah, nickel si ça passe aussi, celui-là. Putain, et y a pas des débris autre part, genre t'imagines, tu sais, l'hélico il l'a tapé quelque part, il a rebondi et. Je sais pas. Moi j'ai entendu le site du crash. Oui, le site du crash. Putain, c'est dommage, j'aurais bien aimé entendre, je sais pas si on peut entendre. Si tu peux entendre la radio, si tu veux. Ok. Je vais réécouter.
Salut Eddie Malou, tu vas bien? Putain, on est sur la fin du secret là déjà. Hein. Allô Chase. Ravnov, c'est le docteur Hugo Jäger. Moi je sais pas, mais. J'ai avancé plus vite. On se rend sur l'île au monument pour tenter d'échapper à Omega. Yeah, je sais, c'est de l'autre côté de la phase. Mais les scientifiques qui m'accompagnent ont créé quelque chose d'incroyable. Un dispositif qui nous permettra de traverser la phase sans mourir. Ou pire, ils n'ont qu'un prototype, mais ils en assemblent un autre avec des pièces détachées pour que vous puissiez nous suivre. Malheureusement, il nous manque un composant. Un orbe éthéré. Trouvez-en un et amenez-le au pont. Là-bas, un véhicule de reconnaissance légèrement modifié vous attendra. Dépêchez-vous. Omega a abattu notre hélico et ils voudront finir le travail. Ok, ok. Il dit qu'il faut trouver un orbe éthéré. Il dit pas dans la zone de site de crash. Ouais, mais c'est. C'est Weaver qui disait dans le fouiller le site du crash. Ah, ok. Ah merde. Oh putain, mais fait chier. Un orbe éthéré. Pas compliqué à trouver quand même. Oui, déjà, ouais, on a tracé. Hein. On a tracé les étapes là. On est coincé sur une putain d'orbe. Hein, lapin d'éther, on peut prendre. C'est quoi ce bordel? Ah, c'est un rance sûrement. Élimination confirmée. Non. Ah. T'as fait quoi? Tu l'as pris? Bah ouais. Sur la boîte, une boîte cassée. Ah ouais? Ça a dit élimination confirmée. Bah, ah mais c'est peut-être ça. Bah écoute. Attends, ça a dit Maxis n'aboutit à rien. Faut peut-être le charger, je crois que c'est un puits d'âme. Craignez-moi. Oh c'est ça, c'est ça, c'est sûr. Putain c'est trop stylé. Ok. Ah non. Elle a donné un renseignement. Un animal en peluche. À quoi vous pensez? Hein? Mais pourquoi on est tout éthéré là? On est tout bizarre. On est quoi? Ah ouais? T'as un truc sur toi? Ah mais tu l'as sur toi! T'as l'orbe sur toi mec! Ah bon? Ouais ouais! Go véhicule! Sortez! T'as de lapin sur toi! Pourquoi j'ai le lapin sur moi? Attends, j'aurais une chanson de la côte. Attends. Attends. Ah oh ouais, si, c'est stylé. C'est ça, c'est ça. Vas-y, go, go, go. Ah oui, d'accord. Go, recule. Du coup, tu vois quoi en éther? Attends, je peux... Bah non, en fait, ça... Ça me fait... Bah attends, tiens, 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 tiens. Hop. Ah oui, ok. Et tu peux faire une charge. Je sais pas, c'est quoi, mais... Oh merde. Surprise de lapin d'éther disponible. J'ai envie de le tester, hein. Ouais, je me suis dit, bah merde, pourquoi il y a une boîte cassée avec un lapin? Ah bah bien vu, putain, je l'avais pas vu. Bizarre. Ok. Et on met 5-10 minutes par étape, hein. C'est insane. C'est le secret le plus rapide de l'histoire, je crois. On est toujours fort. Tac, tac, tac. Vas-y, j'essaye la charge. Bon, c'est la même en fait. Ah, ouais. Des petits papillons. Oh, putain, c'est stylé quand même. Placer le lapin. C'est bon. Maintenant, on a plus qu'à trouver l'orbe. Normalement, on peut avancer là, du coup. Ouais, non, regarde. Maintenant, on a plus qu'à trouver l'orbe. Mais attends, c'est on pas... a le lapin, mais on a plus qu'à trouver l'orbe. Putain, c'était pas l'orbe. Ah, il casse les couilles. Merde. Bon, on a le lapin. Attends. Mais c'est à quoi aussi le lapin du coup? Je sais pas, c'est ce qui va nous permettre d'avancer, je pense. Parce qu'il faut avancer. Ah oui, regarde, ils ont mis le reste de la map. Quel reste de map? C'est enfoncé, bah au-dessus. La map normale du multi en fait. Il y avait pas avant. Et où tu parles? Tu vois, au-dessus du pont, après le pont. Ah oui. Il y avait pas avant. Pas en zombie. Ok, d'accord. Ce reste là, c'était le multi. Merde, bon, c'était pas l'orbe, mais ok. Mais c'était un truc quand même. C'était un truc quand même, ouais, qu'il nous fallait du coup. Putain, je suis mort quand on a trouvé ça au hasard.
Bah ouais. Bon, faut fouiller dans les maisons, c'est sûr, y'a dedans. Faut tout fouiller. Non, ma question ça va être, est-ce qu'il fallait pas le lapin pour voir l'orbe? Bah, enfin, ça m'est pas mal, mais... Non... Pense c'est pas. Bizarre quand même qu'il te dit... Ouais, on a le lapin. Il me manque plus que l'orbe. Bah, c'est guidé, ça aide, hein. Ouais, mais à aucun moment il nous a dit qu'il fallait un lapin. Non. Non, c'est mais cool. Après, ça nous le trouvait, tu vois. Mais si on aurait trouvé l'orbe, ça nous aurait dit qu'il manquait autre chose à trouver, tu vois. C'est sûr. Tu es le leader. Ah oui, je sais. Il y en a qui ont même pas encore trouvé la première étape. Je sais. Tac. Là, en fait, c'est la deuxième étape qu'on fait. Putain, où est-ce qu'elle est, cette orbe de merde? Je sens qu'elle va nous faire chier. Peut-être dans les airs, mais non. Ouais, j'ai un visuel de toute la map, je vois pas. Je vais aller voir dans le sanatorium. Ok, t'as trouvé du sanatorium. Le toit j'ai fait, il y avait pas. Donc Weaver, il a dit que c'était aussi de crash. Mais en vrai, là le lapin par exemple, il était pas aussi de crush. Après c'était pas l'orbe, lui il parlait de l'orbe. Une orbe éthérée. Il va se voir quand même normalement. Après, faut peut-être faire un truc pour obtenir cette orbe, tu vois. Faut faire gaffe à ça. Alors sur les rails, Oh, je les ai pas fait. Je sais pas. Je peux aller voir. Je sais pas, ça me paraît un peu abusé sur les rails. Aïe. On va trouver les gars. Il y a un renseignement sur les rails. Ah. Ça marche. Ah oui, là-bas. En plus, c'est chiant d'entendre cette voix. T'as l'impression que c'est à côté de toi à chaque fois. Ouais. La petite île, mais non. C'est une petite île l'oreille. Dans la flotte. Hein? Putain. Non. Je m'étonnerais qu'il y a un truc dans l'eau, mais en plus on voit même pas de 2 mètres. Non. Je pense pas, non. Très bien vu le renseignement.
Oh. Normalement, c'est sur le lapin qu'on aurait dû galérer, pas sur ça. C'est fou. Faut tout fouiller, on va tomber dessus au hasard, c'est sûr. Bonsoir, KO. Comment tu vas, beau gosse? Enfin, re, du coup. Personne a d'idée dans le chat où pourrait se trouver l'orbe? Parce que là, en vrai, on finit cette étape, les gars, et on a quasiment fini le secret, en vrai. On a très très bien avancé, là. Il reste 2-3 étapes, grand max, et puis... Puis on verra ce qui se passe. Ça va se passer en 3 maps, quoi. Là, ce sera la fin de la deuxième map, et... Ça va être pareil. Est-ce que faut peut-être aller aux autres emplacements de boîte, non? Je sais pas. Ou alors c'était vraiment le hasard et on est tombé dessus. Je sais pas où sont les emplacements de toute façon. Ou c'est des petits cristaux, c'est un truc éthéré. Ouais. J'ai vu. Derrière le crash, t'as vu là-bas? Ouais, il semble. Vas-y, je vais refaire un tour au site. J'ai l'impression que si de crash, il n'y a plus rien pour moi. Ce serait trop facile. Tout serait à côté, ça me paraît bizarre. Oh, parce que moi, j'ai fouillé de crash tous les maisons aux alentours. Bah ouais. Je vais réécouter, je crois, le message. Checker un coup, mais je regarde les cadavres. On peut même monter sur l'hélico, y a rien. Non, y a pas. Vas-y, je réécoute le message. Et l'orbe. Je pense que c'est le truc de Samantha. Mais... On entend partout les voix. Bah ouais, j'ai pensé, mais je sais pas, je la vois pas sur la map. On a presque tous survécu au crash. On entend partout les voix sur toute la map. Changer le titre. Non, merde, attendez. Faut que je quitte le. Vite fait. Hop. Tac. Il nous manque un composant. Un orbe éthéré. Trouvez-en un et amenez-le au pont. Là-bas, un véhicule de reconnaissance légèrement modifié vous attendra. Dépêchez-vous. Omega a abattu notre hélico et ils voudront finir le travail. Ouais, non, il parle juste de trouver un orbe éthéré, il en dit pas plus. Où est-ce qu'il est cette orbe, c'est dingue. Et Weaver il dit plus rien, dommage. Dommage, dommage. C'est forcément sur la map en tout cas, y a pas besoin de changer là. Ça on en est sûr. C'est vrai qu'il n'y a pas l'orbe de Samantha, hein. Je suis sûr que c'est fait exprès. Ouais, cette maison là elle a toujours été chelou parce que j'ai toujours entendu des genre de... La maison où t'es?
Putain, j'arrive pas à voir où t'es. Oh, je l'ai. Elle est là. Ouais. Ah ouais, elle est vraiment éthérée. Elle a une autre couleur. Elle est où? Ah, elle est là. Vas-y, je tire dessus. Ok, ouais, c'est ça. Oh putain, ok. Let's go. Je t'attends au véhicule, du coup. Alors attends, elle a fait tout un chemin. Eh, en soi, c'est pas con, hein. Regarde où t'es, auquel défi t'es. Tête de mort, là, c'est le truc où il y a les mecs morts, là, aussi, de crash. Ah ouais, bien vu. Tu sais, quand tu dis, ouais, ils ouais. ont eu, il faut les buter, quoi. C'est ça, c'est vraiment pas con. Ah, du coup, elle y va toute seule ou tu la tires dessus? Ouais, je tire dessus, mais elle a fait un gros détour, hein. J'ai regardé si le lapidou il est encore. Ah, le lapidou il nous attend. Yep, bah vas-y, attends là-bas. Je fais le tour de la map. Ouais. Je vois ça. Donc elle est rouge du coup l'orbe. Noir et rouge. Ouais, je pense bien que c'était pas aussi de crash, ça aurait fait trop de trucs aussi de crash, tu vois. Et là, en vrai, quand tu regardes, j'ai l'impression que sur ce code, c'est toujours en triangle les trucs à trouver. Là, ça forme un genre de triangle entre le lapin, le site de crash et l'orbe. Comme pour les. Mais attends, elle a fait demi-tour l'orbe. Oh putain, y'a un truc à faire. Ah, c'est pour ça qu'il m'a dit à son doté d'une conscience. Peut-être il faut que tu tires dessus. Ok. Il faut que je tire dans le sens. Ouais, dans la direction. Ouais, ouais, j'ai trouvé. Attends, je vais essayer de te ping. Nickel. Ok. Let's go, ça fonctionne. Faut discher dans la direction. C'est pour ça qu'il m'a dit au début, on dirait qu'elles sont dotées d'une conscience pour se déplacer. Ok, bah c'est bon, on est parti loin là. Vers toi. Et où est-il là-bas? Ouais, ok, je la vois. Il faut peut-être décaler un peu plus à droite. Ouais. Je sais pas si tu me vois là. Ouais, je vois. Normalement elle est sur toi là. Ok, nickel, elle arrive sur moi là. En hauteur. Ça va s'arrêter en haut du pont. Ouais, ça va s'arrêter au-dessus de la statue. Bon, je pense qu'il faut juste être dans la direction, go. Ouais, va aller dessus, regarde, c'est bon. Allez dessus. Ouais, c'est bon. Elle s'est arrêtée. Ok. Oh. Radio. Requiem, ici Jagger. Si vous entendez ceci, c'est que vous avez trouvé le véhicule et terminé le dispositif. Ils ont baptisé ça le neutraliseur d'éther. Comme son nom l'indique, il neutralise les particules d'éther présentes dans l'air. La zone autour du dispositif est alors sécurisée en renforçant la puissance de l'énergie primordiale de l'orbe. Traverser la phase en toute sécurité n'est que l'une des nombreuses applications qu'on peut lui donner. La charge de ce dispositif improvisé devrait suffire à traverser la phase. Une fois que ce sera fait, rejoignez le monument. On sera sur le toit. Ok, let's go. On attend avec impatience votre arrivée. Les atrocités d'Omega sont restées secrètes bien trop longtemps. On a beaucoup à vous raconter. Nickel, on va traverser. On va pouvoir traverser le pont grâce à ça. Ils sont sur le toit après. Regardez la minimap, on va pouvoir monter. Activer le neutralisateur des terres. Vas-y. Non, bien vu. Donc là, tiens, il s'est finir. Let's go! Trop stylé! Il a de la vie, faut faire gaffe, on va se faire attaquer. Regardez, les gars. Ça, c'est beau, regardez, il y a des nénuphars. Enfin, des. Pas des nénuphars, des machins. Méduses. Des méduses. Des nénuphars. Oh putain, le monde en face, mec! Occupe-moi, j'ai pas activé le laser.
Faut avancer en même temps avec, hein. Oui, oui. C'est pas grand. Putain, j'ai plus de balles. Wesh, y'a des gros cristaux d'éther là. Ouais, oh, j'ai vu. Ça rappelle comme avec le boss. Putain, s'il y a des mines, essaye de me les laisser. C'est la crise. Ouais. Oh oh. Il me reste 20 balles, putain. Ouais. Du shield, mais. Putain, y'a pas de mine. Aïe aïe aïe, oh putain, y'a une méduse géante là. Oh, j'ai des balles. Tempête là qui fait chier. Ah, okay. C'est bon de mort. Allez là, véhicule. Attends, je vais prendre ces mines. Hop. Ok, c'est chaud. Putain, t'es moi la méduse géante là. Oh oui, putain. Ah, des munitions derrière toi. Ouais. Elle est vraiment grosse la méduse, hein. Désolé pour le son qui coupe les gars. J'ai plus rien du tout. C'est relou. J'ai chier le tempête là. Du shield, du shield. Oh, je vais crever. Ah. Oui. Putain, on fait vraiment le tour de la map, quoi. En plus, je suis sur clavier souris, les gars. J'ai oublié de brancher la manette. Ça avance des bruits, hein. Merde, y'a une tempête. Il est mort. Ah, on peut plus voir la minimap. On est brouillé. Attends, y'a plus de zone, c'est bon. Tiens, viens, c'est en face. Ici, Tiro. Moriborg, ces enfoirés d'Omega. Un plan. Ils les ont massacrés comme des têtes. Neutralisateur d'éther. Un dispositif d'enregistrement. Tiens, on peut le lire. Bonjour, Requiem. Content que vous soyez arrivé jusque-là. Vous aimez mon œuvre? Vous en faites pas, ils se sont bien tués. Le docteur Zarkova m'a donné du fil à retordre. C'était presque honorable, mais il n'y a aucun honneur à trahir Omega. C'est un acte méprisable commis par des lâches. Quand Kravchenko a su qu'il voulait partir, je me suis porté volontaire pour infiltrer le groupe. Le colonel m'a alors attribué deux tâches. La première, éliminer les traîtres. Facile, rien qu'une scie et un jerrycan d'essence ne puissent résoudre. Quant à la deuxième, tendre un piège à la soi-disant équipe d'élite. Mais heureusement, il est facile de faire s'écraser un hélicoptère quand on a empoisonné le pilote. En ce qui concerne le neutraliseur d'éther, rassurez-vous, Omega saura en faire bon usage. Bientôt, on changera le monde, Requiem. Auf Wiedersehen. Ok. Dégagez de là. Oh. C'est un putain de piège. On se casse. Raptor 1, évacuation d'urgence demandée à la place au monument. Exfiltration. Attends, c'est une fin de game ou quoi? Oh, le monde. Ah, y'a un Horde.
J'ai mis un spé si tu veux. Ouah, ça tremble. Je dis pas que c'est hard à le boss quand même. Mode contagion localisé, les scientifiques, exultez-vous. Ok. Montez dans l'hélicoptère. Équipe d'intervention. Merde, on perd de l'altitude. C'est triste, Weaver. Mais qu'ils rentrent chez eux ne fait pas partie du plan. Putain, c'est lourd, les gars! Ça a de la gueule! Rendez-vous maintenant. Ah, oh, je t'entends plus, Seigneur. Et vos vies seront épargnées. Ah, ouais, j'ai bugué. Attends. Ok, tu m'entends, Slayer? Ouais. Yep, je t'entendais plus. Mec, c'est fini, on a fini le secret. Bon bah, secret fini. Ah on l'a plié en 1 heure. 1h11 minutes. Il y a rien en plus, j'ai un écran noir. Ouais, moi aussi. Ah, ça y est. Ouais, il y a plus d'écran de fin. C'était pareil, tout à l'heure j'ai fait une game, il y avait plus. Ah, on va peut-être récupérer nos niveaux. Ouais. Voilà, en mode contagion, localisez les scientifiques d'Omega en fuite et exultrez-vous. Vous voyez quand je disais qu'on était quasiment fini les gars, bah voilà. On avait fini en fait. 1h11, 1h10 quoi. Terminé. Je suis mort putain. C'est juste ça. Toi tu t'attendais à un truc de fou encore, c'est de pire en pire en fait.